c'est la bonne. Pour la passion. Bah ouais, mais alors là, je serais plus là. Hein. Straight jointly with left airlines and Alitalia. All mobile spots should now be turned off until we arrive at our parking stand. Would you please pass an SFA securely? Roger, that crew members ring a red badge, I'm sure of the safe jump over. Concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention. Chaque fois que ce signal est allumé, vous devez attacher votre ceinture pour votre sécurité. Nous vous recommandons de la maintenir attachée de façon visible lorsque vous êtes à votre siège. Whenever the seatbelt sign is on, your seatbelt must be securely fastened. Start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth. Make sure your own mask is well adjusted before helping others. Une fois votre masque ajusté, il vous sera possible d'aider d'autres personnes. Illuminated exit signs will help you locate the exit doors. Please take a moment now to locate the exit nearest you and at the rear. Pour évacuer l'avion, suivez le marquage lumineux. In the event of an evacuation, pathway lighting on the floor will guide you to the exits. Les portes seront ouvertes par l'équipage. Doors will be opened by the captain. Bon bah bienvenue à Los Angeles. Oui alors on première. Est... Fallait qu'on cause donc. On... Bon alors comment ça va la Miss là? Ben, ça va donc il suffit pas de prendre des photos, il faut aussi un petit peu d'action. Donc nous voilà 3h du soir, 2h du matin, enfin un truc dans ce goût là. On est à peu près. Enfin, il est 3h de l'après-midi à Los Angeles voilà, donc ça fait. Genre 4h30 même, peut-être même 5h. Donc il doit être 3h du matin, enfin je sais plus comment on est. En fait. Et on est levé depuis hier 5h. Oui, ça, on sait plus trop exactement où on habite. Enfin là on enchaîne la deuxième journée hein, sans voilà, dormir. J'ai hein. Comprise dans la première si vous voulez. Donc voilà, et Google les piaf et voilà. Donc on est arrivé, on est bien arrivé, on va repartir. Et là il fait beau, c'est et cool. Et on va se balader. On va chercher, on va s'acheter du coca. Voilà. À bouffer parce qu'on va squatter dans la chambre. Voilà, on va se faire un petit... Ce soir, ça va être la grande improvisation. Voilà. Donc, on va chercher un supermarché. Allez, c'est parti. Salut. C'est parti. Bon, ben là, c'est la petite piscine de l'hôtel, donc c'est cool. Si on a le courage, on ira peut-être piquer une tête, mais je sais pas, vu qu'on n'a pas dormi depuis hier. Salut. On va voir. Voilà le petit hôtel. Cool, cool. Bon, bah, Rosemary nous a dit tout droit et au bout à droite. Elle nous a dit tout droit et au bout à gauche. À gauche ? À gauche. Bon, bah, écoute, on va tenter, hein. C'est pas gagné, hein.
Bon bah si vous voulez des piments, là il y a de quoi faire. Hein. Donc alors ça voilà. C'est donc du colorant. Non, c'est pas du colorant, c'est strawberry. Non, pas du tout. Strawberry Fields. Oui, mais alors la composition, c'est en premier colorant, en deuxième arôme, en troisième agent de texture et de saveur, et en quatrième, je crois qu'il y a un peu d'eau. Enfin, c'est génial. C'est super rose fluo et ça me branche. Moi d'ailleurs, je serais. Donc là, strawberry. Là, 1 kg de cerise à 1 euro, 1 dollar. 1 dollar, 1 kg de cerise. Hein? Bon, voilà. Et des bagels à la cannelle et au raisin. Et montre mon aloe vera là, où c'est qu'il est? Mon aloe vera, il est où? Voilà, hein? Et de l'aloe vera. Faut vraiment venir à Los Angeles pour trouver ça. Hein? Donc on vous dit salut. Bon bah il est 6h du matin, c'est reparti. Aujourd'hui, Hollywood. Bon Vigna, t'es prête? Ouais, il est pas 6h, il est 6h30. 6h30? Ouais. Bon bah t'es encore à la bourre? Non, c'est toi qui es à la bourre. Donc la petite chambre, tranquille. 2 litres 140. Des cerises? Ah, les cerises. Super. Ben, mets-en un sac plastique pour emmener dans le truc. Ouais. Ça sera bien. Ça va s'écraser. Non, 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 ça va pas s'écraser. Tu le mets dans le... Tu crois? Donc, là, le petit dressing. Et la petite salle de bain, tranquille. La petite douche. Voilà, c'est cool. C'est quand même très sympa ce petit hôtel. Hein. Bon ben voilà, on est en plein cœur de Los Angeles. Donc on s'est arrêté, on fait une petite balade là dans Los Angeles. I'm singing in the rain. Yes, singing in the rain. Bon ben Rosemary, elle est dans son état normal comme d'hab. Voilà la ville de Michael. Avec ses arbres mauves, on croirait des lilas, c'est rigolo. C'est pas des lilas et c'est des arbres magnifiques, couleur mauve, c'est grandiose. Voilà, donc là c'est la mairie de Los Angeles. Donc c'est assez spécial, c'est très moderne, très rigolo quoi, c'est atypique. Là, c'est l'entrée de la mairie. Donc, c'est vraiment très sympa, quoi. C'est rigolo. Il y a une voiture qui est là, une super voiture, genre voiture de collection, je sais pas. Donc, on est samedi matin. C'est calme. C'est très agréable. Palmiers tout le long du périph'.
On est sur Rodeo Drive, Sunset Boulevard. Donc en plein quartier Beverly Hills. Non loin de l'endroit où Richard Gere a tourné le film Pretty Woman. Voilà, donc pour s'acheter un sac à main, Rodeo Drive, c'est pas mal, c'est un petit peu cher, il n'y a aucun prix, grand luxe. Je pense que la première paire de chaussures, elle doit être à 1 500 $. Je pense, hein, mais bon, je pense que c'est peut-être aussi plus cher, donc c'est hors budget. Mais bon, c'est beau. Donc voilà l'hôtel où a été tourné Pretty Woman. Alors le truc qui est fou, c'est que il n'y a personne. On a l'impression que c'est une ville presque fantôme. Il n'y a que des gens qui circulent en voiture. Il n'y a personne sur les trottoirs, sauf nous. Trop fort. Voilà, des voitures, mais personne, personne. Vous voyez, je vous montre le trottoir, il n'y a personne. Donc c'est cool, quoi. Ça change de Paris. C'est... hallucinant. Alors ça m'éclate complètement. Des trottoirs à perte de vue et personne. Si, il y a un mec qui fait son jogging. Ah, quand même, il y a du monde. Taxi bleu à Los Angeles. La dernière collection Dior sur Rodeo Drive. Regardez comme le car est rigolo. Ils sont vraiment marrants, les cars à Los Angeles. C'était quoi la route où on était ? Hollywood Boulevard, donc avec ses étoiles. Donc Hollywood Boulevard, où il y a toutes les empreintes de stars. On va aller voir ça, c'est devant le pavillon chinois, il y a un théâtre. Et devant, il y a toutes les empreintes sur des stars. On va aller regarder ça. Thank you.
quelle heure il est déjà? Voilà, Hollywood face à nous. Wait, turn it all the way. Ready? Stand. Nada de grasa. Con eso cajetan. Con la leche, con la leche al final. Bueno, yo... Et voilà, nous voilà à Hollywood Studio. I get paid extra for movies, you know. Pose, strike a pose. That was strike a pose right now. Jeez. I was there. Was that okay? That was good. Oh, thank you. Oh, you're beautiful. You're taking an awful long movie. Bon, on va aller se faire un petit palace, là. Tranquillou. Voilà, il y a des petits brumisateurs comme ça, c'est trop cool pour te rafraîchir, brumisateur. Hey. Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls, and welcome to the Rick and White and the Hanging Shark. Let's move on to strike 40. Petite vue d'Hollywood. Swing!
Ladies and gentlemen, this show contains many water effects, and there's a strong chance that you may get wet. For your convenience, the green benches in the arena have been designated as wet seat sections. If you have any questions or would like assistance, please see a show attendant. Thank you, and enjoy the show. Voilà une petite pensée pour Alain, là, la gelée à la framboise avec du melon là. Alors, ce qui m'a plu, c'est la gelée. Je pense que ça plairait à Cantas, ça doit être très sympa. Voilà, et la tarte au citron, bien jaune fluo, jaune fluo, avec les petites paillettes fluo. Donc ça plairait aussi à Cantas. On va finalement manger parce que ça a un goût tellement spécial. Ça a le goût des bonbons, les bonbons mous, là, les bonbons acidulés de toutes les couleurs, avec un vieux goût chimique. Bref, je cale, c'est pas possible. Bon, voilà, départ pour le désert de Mojave. Donc, deuxième jour de notre séjour. Il fait beau, il fait 35 degrés, c'est agréable. On est parti à 7h du matin. Voilà, donc dans ce désert, bah, il y a des coyotes, des cobras, des serpents, des cobras, des scorpions, des renardins et des tortues. Il fait 40 000 km², ça fait 200 km sur 200 km. Il y a plein de yuccas, des yuccas très particuliers, très touffus. Et ce yucca très particulier est célèbre, il était très connu puisqu'il a fait l'objet d'une pochette d'album de YouTube. Voilà sur la route 66, tranquille, il est 14h, il fait 40. Le petit écran dans le car, route 66, à perte de vue. Voilà, on est dans l'écran. Route 66 pour la fête des mères, c'est quand même assez cool. Aujourd'hui, c'est la fête des mères et tranquille.
des airlines. Voilà, bah nous voici arrivés à Hotman, ville minière où ils découvrirent de l'or en 1902, donc c'était la ruée vers l'or. Et nous, on a trouvé un âne. Âne. Je le laisse. T'es gentil. Et en direct donc, Evelyne pose la question à l'âne. Est-ce que tu es gentil ? Est-ce que tu es gentil ? Et l'âne s'en va vexé. L'âne d'Hotman. Salut. Salut l'âne d'Hotman. Il y en a un autre. On peut toujours refaire. Oh merde. On s'en sort pas. Hello. Bah. Donc bien évidemment en Arizona, bah il y a des cactus, hein, voilà. Et ah là il y a un petit âne, un bébé. Donc c'est, je sais pas, c'est peut-être son fils ou sa fille, je sais pas. Donc nous voilà repartis et les ânes qu'on a vus, c'est les ânes des chercheurs d'or et c'est des ânes qui restent là, qui appartiennent à personne. Il y a plein d'ânes, plein de voilà, c'était aussi la petite sympa ville. Voilà notre hôtel. C'est comme un bateau sur le Mississippi, sauf que c'est sur le Colorado. Voilà, et donc de l'autre côté, vous avez le Colorado et le petit chemin qui va tout le long du Colorado. Donc ce soir, quand il fera un peu plus frais, un peu plus doux, pour aller vous balader si vous voulez. Là donc c'est l'offing, le Colorado. Voilà l'hôtel.
Oh bah voilà la vue de la chambre. Donc il y a la petite piscine en bas, tranquille, avec musique. Ça c'est rigolo ça. De la musique à la piscine. Voilà la petite chambre à Lossing, enfin petite chambre, grande chambre, elle doit faire 40 mètres carrés dans le Nevada. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça sur le lit? Qu'est-ce que c'est que ce chien? Qu'est-ce que c'est que ce chien? Descends du lit! Pas bouger! Pas bouger! Descends! Bon, bon, on va aller se baigner, hein. On va aller piquer une tête parce que là c'est vraiment trop tentant. Il fait 38 degrés, donc le petit bain s'impose. Après un petit concert là, très sympa, bah, on va dîner. Donc bah, la vue du hall de la réception dans l'hôtel, 800 chambres quand même. Hein, donc 800 chambres, faut pas se perdre. Voilà, bah, on va dîner. Ce sera donc dîner avec la vue sur le Colorado. Donc ça change de la Seine et du lac Dangin. Voilà, le Colorado de notre table. We'll be right back.
Bah, l'autre, il promène son yacht, là. Carrément. Voilà, Tropicana Express, c'est l'hôtel qui est face à notre hôtel. Donc, juste en face de chez nous. Vert fluo. Et voilà le Colorado Bell, notre petit hôtel. Petit hôtel, comme dirait Rosemary, faut le dire vite, quoi. C'est plutôt grand hôtel, quoi. Température extérieure 40 degrés, il est minuit. C'est très agréable. What about the